Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler du drama de Travis Scott qu'il y a à propos de Fortnite et le concert Astro World de Travis Scott qui a eu vendredi au Texas. Donc le 5 novembre, si je ne me trompe pas. Alors le 5 novembre, pendant le concert, enfin c'était même pas un concert, c'était un festival Astro World. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait le festival, donc Travis Scott, ils ont vendu plus de 100 000 places. Et en fait, il y a des gens qui ont réussi à rentrer dans le festival sans payer. Donc ça a fait une foule, une surpopulation de foule. Et en fait, ce qui s'est passé pendant le concert de Travis Scott, c'est que la foule se piétinait dessus. Et les gens, ils ont piétiné tellement de monde qu'il y a carrément eu 8 morts qui sont morts dans cette foule à cause du mouvement de foule. Donc peut-être que Travis Scott, il a fait en sorte que la foule s'enjaille et aille de gauche à droite, de gauche à droite. Et au final, les personnes, il y a 8 personnes qui sont fait piétiner et qui en sont morts pendant ce festival-là. Alors maintenant qu'il y a ça, le problème c'est que Fortnite, ils se sont directement associés à Travis Scott parce que ils ont fait le concert Travis Scott Astro World sur Fortnite. Ils ont vendu le skin Astro World, enfin le skin Travis Scott sur Fortnite. Et ils ont vendu l'émote où Travis Scott tourne la tête. Donc là, je ne l'ai pas en question, mais on voit Travis Scott qui tourne la tête dans tous les sens. Et en fait, là, apparemment, Fortnite, donc c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr qu'ils vont le faire, mais déjà Fortnite pense enlever l'émote avec quand Travis Scott il tourne la tête. Donc ils veulent l'enlever de Fortnite. Bien entendu, vous allez être remboursé de cette émote si jamais ils l'enlèvent. Et peut-être que même ils vont enlever le skin de Travis Scott dans Fortnite et tout ce qui est lié à Travis Scott pour ne pas en fait salir leur image. Parce que là, en fait, ils ont fait un feat avec Travis Scott. Et le problème, c'est que comme il y a eu un drama à propos de ça, eh ben, peut-être qu'ils vont tout enlever, donc c'est pas encore sûr, mais peut-être qu'ils vont tout enlever. Là, ce qu'ils attendent, c'est les accusations, est-ce qu'elles sont fondées? Parce qu'en fait, les gens accusent que c'est de la faute de Travis Scott, qu'il y a eu 8 morts. Donc si maintenant, après un tribunal et tout ça, ils disent que c'est vraiment de sa faute, qu'il a fait un mouvement de foule et que s'il n'aurait pas fait ça, les gens ne seraient pas morts. Si maintenant les gens ont raison en l'accusant, je pense que Fortnite enlèvera tout ce qui est cosmétique de Travis Scott, lié à Travis Scott. Surtout l'image avec, l'émote avec la tête qui tourne. Après, c'est pas sûr, hein. Il faut voir. Par contre, il y a des gens qui disent que dès qu'il y a eu des mouvements, dès que le chanteur, donc Travis Scott, a vu qu'il y avait des problèmes dans la foule, apparemment, il dit qu'il a arrêté son concert directement. Il a arrêté de jouer. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres sites internet qui disent que justement, il n'a pas arrêté son concert, il a continué et qu'il s'en battait les couilles. Donc voilà, là, il y a une enquête qui est en train de se faire sur toute cette histoire. Et quand cette enquête sera terminée, si maintenant Travis Scott est coupable, je pense que Fortnite, pour ne pas salir son image et ne pas être lié à un drama, donc à un drame comme ça, je pense pour ne pas être lié à ce genre de publicité malsaine et désavantageuse pour eux, ils vont tout supprimer de Travis Scott. Après, ce n'est pas sûr. Bien entendu, s'ils enlèvent tout, vous allez être remboursé et on ne pourra plus avoir le skin Travis Scott sur Fortnite. Mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je voulais vous faire cette petite vidéo d'information pour vous tenir au courant de l'actu Fortnite. Donc j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.